مشي حنو يا نهي كهيلة تنو كل ما يوتي ملقراتو العزيز ربي دا بيتو شري كل مش بحد بيتو كل حد ويبتو مقبلة فيلاتو لفني لوكي Alors là, avec l'aide d'Hachem, que le bon Dieu protège vous tous, vous donne la santé, maintenant, on va vers Baal Shem Tov. Je ne sais pas quand vous allez écouter ce petit cours-là de 5, 6, 7 minutes, mais de toute façon, la bracha, elle reste. Et que le zéro de Rabbi Pinto, il soit avec vous, Kenelatson. Hier soir, on était réunis, on parlait d'Ivré Torah. Il y a un juif australien, Hilo, que depuis quelques années, il ne rate pas la Hilula de Rabbi Haïm Pinto. Alors, lui, il a fait Kishua comment? Eh bien, Bémet, hein, je dois faire au donneur. Cette semaine dernière, j'ai reçu un message, quelqu'un qui est en prison, qu'il a écouté comme ça, je ne sais pas, il cherchait un cours d'autorat pour se détendre un peu. Il tombe sur un cours à moi qui parle de... Je crois qu'il s'est fait tout ce que la chimie fait. Et même la prison, c'est pour le bien. Et tout est pour le bien. Donc, ça l'a un peu consolé. Et il m'a envoyé un message pour me dire que ce cours-là, il m'a renforcé. Et je me suis promis de faire une teshuva. Ah, moi, si je suis venu en prison que pour faire teshuva, ça vaut la peine. Alors, ce Hilo-là, il a écouté un cours de Torah, je ne sais pas comment il est tombé dans les mains, et bon, Hachem, il a fait une grande teshuva. Et depuis, il est devenu attaché à la famille Pinto. Pour vous dire, un cours de Torah, il peut changer la vie d'un homme. Et non seulement lui, ce n'est pas que lui seul qui a fait teshuva, c'est toute sa famille, sa femme. Alors maintenant, lorsqu'il a commencé à se réveiller et à penser comment il va faire teshuva, il a dit comment je vais faire avec ma femme. Parce qu'il n'était pas, il n'y avait ni Shabbat, ni Kacher, rien du tout. Il habite en Australie, rien du tout. Donc un jour, il dit à sa femme, tu peux écouter avec moi un cours? Il a dit, quel cours encore? Il y a un cours de Torah, depuis quand? C'est pas grave, on l'écoute. Hachem, Ma'atullah, Hachem, il a voulu l'autre, Hachem, il veut aider quelqu'un à faire teshuva, il l'aide. Parce qu'il y a beaucoup de fois, il y a des femmes qui font teshuva, mais le mari ne suit pas. Parfois, c'est le mari qui fait teshuva, la femme ne suit pas. Parfois, c'est les enfants qui font teshuva, les parents ne suivent pas. Alors, c'est un problème. Mais le plus important, c'est que le teshuva collectif, tout le monde, comme notre cher ami, lorsqu'il a décidé à faire Shabbat, tout le monde a fait Shabbat avec lui. Donc, c'est comme ça. Donc, ce monsieur-là, il a, lui et sa femme, ils écoutent le cours, ils se sont emballés tous les deux, et non seulement les deux, même les enfants qu'ils avaient 15, 16, 17 ans, aussi ils ont fait teshuva. Aujourd'hui, sa fille est au séminaire. Et hier, il nous a raconté deux histoires extraordinaires. La première histoire qu'il nous a racontée, c'est qu'il avait un problème, lui, ils vendent des filtres. Il y a une usine de filtres. Mais ils se sont rendus compte que un des filtres qu'il fabrique, il n'avait pas la. Il lui manquait quelque chose que c'était pas normal. Et là, que Dieu préserve, s'il a un contrôle, c'est très grave. Grave, 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 c'est ça peut aller très très loin. Et lui, il m'appelle, je lui dis, viens à ta chère, quand je vais au cours, il va t'aider. Ils sont venus les inspecteurs, ils voient, ils ont tout vu, ils ont dit, tu as the best of the best, tu as le meilleur fils qu'on a jamais vu. Et pourtant, il manquait là-bas la chose la plus importante. Mais entre-temps, il a réparé ce qu'il devait. Et bon, Hachem, j'ai jamais eu un problème avec les anciens filtres. Bon, Hachem, entre-temps, maintenant, tout le monde a changé ses filtres-là, mais bon, Hachem, lui, grâce à Dieu, tout est clean. Mais il nous raconte, il nous dit, il y a quelque temps, cette année, il dit à sa femme, il y a une famille qui prie avec nous,
ils sont d'origine du Maroc, la femme est d'origine du Maroc, on l'invite pour Shabbat. Notre rabbin, Rabbi David Pitou, c'est un Marocain, va être content qu'on lui dise qu'on a invité une famille marocaine. Alors, c'est ce qu'ils ont décidé, et cette femme-là, c'est une effet de la chirurgie du côlon. Lorsqu'elle a le cancer de côlon et tout ça, elle, c'est sa spécialité. Alors, il l'a invité, il était content de venir. Ah, maintenant, ils étaient tous assis à table. Alors, ils ne savaient pas de quoi parler. Alors, il faut casser la glace. Ils ne savaient pas comment casser la glace pour parler. Alors, lui, qu'est-ce qu'il lui dit? À partir de quel âge on fait la vérification du côlon? Elle le regarde, elle s'énerve, elle tape et lui dit, toi, tu dois le faire maintenant! Il a eu peur, mais elle a eu peur. Tout le monde a eu peur. Elle le regarde. Je te dis maintenant. Il était choqué. On dirait qu'il a commencé à dire, mais j'ai invité une folle. Pourquoi je l'ai invité? Et pendant ce moment-là, à quoi il pensait? Il pensait à Rabbi Haïm Pinto. C'est Rabbi Haïm Pinto qui m'a envoyé un message à travers cette femme-là. Il a été la même semaine, il a fait un rendez-vous avec les médecins pour faire vérifier le côlon. Après l'anesthésie, il se réveille, ils lui ont dit c'est très urgent, c'est très grave, il faut tout de suite faire une vérification, non seulement toi, mais ta femme, tes enfants, toute ta famille. Parce que le début d'une ta maladie, tu as beaucoup de polypes, et ces polypes-là, ils sont héréditaires. Et tu es venu à l'heure et au temps. Sinon, ça aurait été grave, vous ne pouvez rien faire pour toi. Regardez la bouteille, l'aïmouna de quelqu'un. Parce que quelqu'un qui a l'aïmouna à Kajbaoukou, pas à Kajbaoukou, il a beaucoup de moyens. Comment lui envoyer un message pour. Alors, il m'appelle, il me dit voilà, dans toute cette affaire-là, pour moi, c'était le message de Rabbi Haïm Pinto. Avant que ce soit tard, il fallait que je fasse cette vérification du colon, que Baruch Hashem, et c'est bien passé. Que Hashem vous protège. Oui. نازي خوتو يا وز خوتو